Bienvenue à bord. Allez, dimanche 1er octobre, on quitte le mouillage sur la baie d'Ormuz-Vronitsa. Il est un petit 9h30, 10h du matin et on va ressortir de cette mer intérieure pour remonter la côte continentale grecque vers Corfou. Donc un mouillage intermédiaire, peut-être une escale sur Plataria, au sud d'Igoumenitsa. Et puis ensuite, attendre gentiment dans cette zone l'arrivée de nos amis Bernard et Véro du voilier Lotus, qui vont me rejoindre pour une petite dizaine de jours. Voilà. Et ensuite, ce sera Corfou le 21 pour l'arrivée de Valérie. Voilà. Allez. Au revoir, Vronitsa. À la prochaine. Un joli site. Une belle escale. Bon, côté ville, rien d'extraordinaire. Une belle esplanade avec pas mal de tavernes. Mais le mouillage est exceptionnel. Sec, les trois zones techniques, Action, Onion et Cléopatra. Et
là-bas en face, Prevezza. Donc Action Marina où nous allons revenir dans un mois à peu près avec Valérie, et ce sera pour une mise à sec du Masserval pour 5 mois jusqu'à début avril. Et là on a la zone technique Cléopatra. Un peu plus cher que la zone d'Action. Et là on va reprendre le chenal de sortie et on va longer la côte côté continent pour remonter tranquillement vers Igoumenitsa avec un arrêt probable sur Plataria. Donc vous voyez le chenal de sortie est bien délimité, des hauts fonds de part et d'autre. Alors là vous apercevez peut-être un avion en train d'atterrir, puisque juste sur cette langue là de terre, on a l'aéroport d'Action, très proche des zones techniques de mise à sec, mais des correspondances qui ne sont pas évidentes pour le sud de la France, peut-être plus pour Paris ou d'autres capitales, mais pour aller sur Montpellier ou Marseille, ça le fait pas, c'est dommage. Voilà le mouillage de Two Rocks Bay. Superbe. Sauvage. Là-bas, un bar
avec vue imprenable sur le mouillage, une eau magnifique. Avec le bar qui surplombe la plage. Nickel.